Salut tout le monde, c'est Blun. On se retrouve pour Eagle Flight, donc le nouveau jeu VR d'Ubisoft. Donc on est parti, on va voir comment ça se comporte. On va recommencer l'initiation, même si j'ai pas vraiment fait. Nous sommes dans la peau d'un aigle. Oh, et qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, descends, aigle! Vous avez vu mon super museau? Enfin, mon bec, quoi. Le jour se lève sur la belle ville de Paris. Les humains ont quitté depuis bien longtemps ces rues, et la nature a repris ses droits. Les loups et les biches ont élu domicile ici. Il partage cette jungle urbaine avec les animaux exotiques échappés du zoo. Des prédateurs cherchent leur prochain repas. Des charognards se nourrissent sur un cadavre, tandis que d'autres menaces restent tapies dans l'ombre. Votre aventure ne fait que commencer. Vous devez désormais trouver votre place en ce monde. Ça fait très documentaire animalier. C'est classe quand même. Ok. C'est parti pour le côté droit. Toujours avec le casque, a priori, j'ai la manette, mais dans les mains, mais elle sert à rien en fait. Ah si, elle sert. Ah oui. Ah j'ai pas envie, moi, je suis bien là. Ok. L'arbre, il faisait chier. Si votre nid traversait l'icône pour retourner au menu principal. Ok. Oh. C'est fou ça. Si j'avais su dans la vie que j'aurais volé comme ça. Oh. Le beau bruit d'éléphant. Donc ouais, donc le nid là. Ah non. Comment qu'on fait? Ah pardon, excusez-moi, j'incline pas, je tourne la tête bêtement. Voilà. Notre-Dame. Histoire vol libre. Ok. Ah bah nous on veut l'histoire. Voilà. Vous êtes dans le noir, seul et affamé, et votre instinct vous pousse vers la chaleur et la lumière. Quelqu'un vous attend dans le monde extérieur. Oh. Votre mère, votre père, et quelqu'un d'autre. Ah, oh, c'est tellement fou!
Maman! Voici votre famille. Oh oui! Après toutes ces années passées à survoler Paris, vos parents connaissent tout de cette ville. C'est magnifique! Et dire que c'est en dessous Unity. Les quartiers sont pleins de vie. Pleins de proies et de prédateurs. D'endroits dangereux et de recoins plus sûrs. Un jour, vous aussi, vous les connaîtrez par cœur. Les éléphants aiment se réunir à proximité de vous. Les canaux sont remplis de poissons. Mais prenez garde de vos tours. Oh, c'est ouf. Autrefois symbole majestueux de l'ingénierie humaine, la tour Eiffel est désormais la demeure de quelques oiseaux chanceux qui profitent de ces superbes panoramas. Oh oui! Voilà! C'est tellement reposant. Les corbeaux ont élu domicile autour du Sacré-Cœur. Ils utilisent les ruelles étroites pour chasser ou échapper à leurs prédateurs. Les ours, quant à eux, résident dans les grottes sous la cour. Si je passe là, voilà. Oh le zoo. Les arches ombragées et les plafonds en pierre du Panthéon sont le refuge idéal pour les chauves-souris. Ah ouais? Les loups se promènent parfois près du jardin botanique, qui de nos jours ressemble d'ailleurs plus à une jungle. Et pour finir, Notre-Dame. Ce quartier a toujours été un refuge. Un havre de paix au milieu des rues plus fréquentées. Ici, vous êtes chez vous. Chapitre 1. Nouvel envol. Ne pas regarder en bas, Blood. Non, tout va bien. Ce Paris envahi d'animaux reste magnifique. La nature peut y être aussi impitoyable qu'harmonieuse. Mais vous trouverez votre place ici. Ah. Vos ailes se renforcent et vous apprenez peu à peu tout ce qu'un aigle doit savoir. Je vais où? Là-bas, tiens. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, un défi. Bah, allons-y. D'autres animaux ont élu domicile dans ce quartier. Allez à leur rencontre. Oh oui.
C'est fou, quoi. L'éléphant. Oh putain. Et on accélère. Hey, je suis un véritable aigle, hein, les loulous. J'ai fait ça toute ma vie. Ouais, je sais, mais j'aime bien tourner, moi. Oh, des petits poussins, des flamants roses. Oh, la nature, tout ça. C'est beau. Oh, putain. J'ai failli le louper. La descente, les loulous. Bonjour, un éléphant. Allez, salut. Ah, du coup, full étoile. Oh oui. Parfait. On fait quoi? Défi 2, bien sûr. La base. Comme tout être vivant, vous avez besoin d'un bon foyer. Allez récupérer des plumes pour améliorer votre nid. Ah, me faut des plumes, les loulous. On va améliorer notre super nid. Où sont les plumes? Ah là, il y en a une. Une plume. Oh, j'en ai pas loupé une. C'est évident de trouver des plumes. Ah là, il y en a. Putain, il m'en faut 15, quoi. Là-bas, il y en a une, je t'ai vu. Ouais, facile. Ah putain, il y en avait une là. Oh, tant pis. Sauf qu'il y en avoir un peu partout. Hein. On penche la tête. Ça va. On a 10. Ici. J'espère que la musique est libre de droit, monsieur Ubisoft, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Là-bas, parfait. L'instinct de l'aigle, les loups. D'accord. Ok. ~29% de Notre-Dame. Non mais non. Non mais je voulais pas aller dedans. Merde. D'autres animaux ont élu domicile dans ce quartier.
Ah. Ça c'est histoire, mais c'est bloqué, non? Là! Y a des filles! Go! Les tunnels du quartier valent le détour. C'est agréable ce vent sur vos plumes, non? Parcourez ce trajet aussi vite que possible. Maintiens l'accélération. Ouh putain! Là! Et merde! Vous êtes écrasé, sans blague. J'aime bien le petit bruit crack. On va pas foncer. Libre de mes ailes là. Prenez les loulous, c'est pas évident quoi. Oh la meute est là les loulous. Ah, il y avait deux choix. On va toujours tout droit. Sérieusement, des ours dans le métro. Ah bah c'est par là hein. Soyons safe. Je dis ça mais il y a des arbres partout. J'ose pas trop accélérer là. Ok bah il y a partout mais franchement je vais la jouer bien safe là. Oh, j'ai envie d'aller là. À 2 étoiles du coup. Ah oh, c'est pas grave. Ah voilà. 5e. Oh c'est pas mal. Ok donc du coup. Du coup. 3 c'est fait. 2, 0 aussi. On a 4. C'est fermé partout, donc a priori, à prendre ça déjà. Alors il faut que j'aille faire quête, hein. Je suis en train de regarder, mais on est obligé de les faire, je pense, les défis. Ok, bon bah allons-y. Affichez votre agilité aérienne pour indiquer à tous les animaux voisins que les cieux de ce quartier sont à vous. Ah! C'est à moi, les gars! C'est ma base! Faites pas chier! À pencher la tête, hein. Moi il faut toujours que je tourne. Je suis désolé. Ah, c'est là. Ouh. Putain, je me suis fait peur. Ah, oh, j'ai loupé le cerf. Ah non, je suis deck quand même. Oh, c'est tellement fou.
Oh. Oh oui. Je sais. Je sais, mais je fais pas. Putain, hey, c'est chaud d'avoir toutes les étoiles en fait. Enfin, sur une première course. Un premier défi, quoi. Toujours cinquième, hein. Putana est devant nous. Chapitre 2. Les deux font la paire. Bah oui, tout à fait. On est au Louvre. Ah oui. Sans blague. C'est ouf ça. Vos parents vous ont appris à voler. Mais personne ne vous a montré comment pêcher. Une aigle surgit. Apparemment, elle aussi attirée par la promesse d'un bon repas. Elle attend patiemment le bon moment. Puis elle se pose pour déguster sa prise. Elle vous regarde. On dirait que vous vous êtes fait une nouvelle amie. Oh, oh les loulous, la tête s'accouplée. La pêche ne semble pas très compliquée. Essayez d'impressionner cet aigle en lui montrant ce que vous savez faire. C'est les règles pour attraper les poissons. Ok. Je crains le pire. Un poisson. Deux. Trois. Quatre. Bon, j'arrête de compter. Faut que ça foute. Évidemment. Ah mais j'ai été trop greedy. C'est ma faute. On recommence. Ah je l'ai pas eu. Oh bien. C'est pas facile hein. Oh oui. Oh ouais. On est à la moitié. Oh ouais. Ah non, je suis trop loin. Ouais. Pas du tout. J'ai attrapé mes poissons. Ouais. Deux étoiles. Ok, je peux pêcher partout si je veux. Pas besoin. J'ai une voix suffisante. Alors, défi expert A est disponible. Ouais, mais on a 6 là. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des filles. Hein. C'est où des filles A? Hein? Ah oui, ah! Ah bah vas-y, on va tester. On va voir ce que c'est, hein. Ok. Je traverse les animaux? T'es sérieux là? C'est ouf ça. Alors là.
je suis pas passé en dessous, je me suis mis vite là, donc c'est jamais. Ah putain, je savais pas où aller. Ah mais c'est, je sais pas, j'ai du mal à incliner la tête hein, quand faut tourner. Tu vois, pour moi faut bouger la tête. Mais bon, je suis pas un aigle, hein, moi je suis un loup, donc forcément c'est pas pareil, on ne voit pas les choses de la même façon. Salut Flamand Rose. Ah, je passe au-dessus, hein, la flèche. Hop. C'est vrai que quand t'es un clean, ça marche vachement mieux. Ça le... Ok, je pensais que ça le prendrait en compte. Mais non. Ah, du coup, on va terminer sur une étoile, c'est triste. Parce qu'on a loupé un cercle. C'est dommage. Mais bon, on a réussi quand même. Toujours cinquième, hein, de ma... Ah, je suis division 9 quand même. C'est cool. Division 9 d'aigle... D'aigle One. Où est mon truc? Je sais plus au combien on en était. Non mais je me doute, ma... Alors 4, c'est fait. 6, ok. Je le trouvais pas. Oh, une plume! Faites! Ces vautours sont attirés par les poissons. Et notamment ceux pêchés par votre ami. Ah. Il semblerait d'ailleurs qu'il l'ait blessé. Oh, les salauds! Protégez l'aigle blessé et éloignez les charognards qui veulent l'attaquer. Ok, donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Puisque mon bracelet m'indique... que nous arrivons à 30 minutes de vidéo. Donc les loulous, moi je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye!